What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. On a parlé d'agents de sécurité, des avantages, de mes story time et tout, mais là j'ai envie de parler du SIAP, l'agent de sécurité incendie. Des avantages, des inconvénients, est-ce que c'est un bon taf, est-ce qu'il faut le faire ou non, et tout ce qui est autour du SIAP, parce que SIAP c'est très très bien, mais malheureusement le métier a changé et il faut qu'on en parle. Avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo. Et ben, je la fais avec mes compétences, mes connaissances et mes expériences terrain. Parce que oui, c'est important pour pas qu'on me dise oui, mais non, c'est comme ça et tout. Ou si jamais il y a des choses que j'ai pas dites que toi tu as vécu, ou jamais il y a des contradictions, les commentaires sont faits pour ça. Comme ça, on en parle, on discute, on rigole. C'est important. Déjà, SIAP, ça veut dire quoi? C'est service de sécurité, d'incendie, d'assistance à personne. SIAP, c'est ça, SSIAP. Ça, c'est très important. Si tu passes la formation, il faut que tu le saches. Le rôle du SIAP, sur papier, il est simple. Il est là pour assister, porter secours aux personnes. On va dire, ça va être le premier facteur. Si quelqu'un tombe dans les pommes et tout, ça va être lui qui va venir avant les pompiers. D'accord? Ça va être le premier. Il est là pour ça. Et il est là pour surveiller tous les équipements relatifs à la sécurité incendie, c'est-à-dire issue de secours, extincteur, RIA, c'est les robinets d'incendie armés. Il est là pour surveiller tout ça. Au niveau de l'organisation du travail du SIAP, il y a plusieurs domaines. C'est soit il est seul, soit ils sont à plusieurs dans un local. Quand ils sont à plusieurs, en général, eh ben, ils contrôlent un SSI. Un SSI, pour faire simple, c'est un tableau avec plein de boutons. Et là, je vulgarise le truc. Et quand il y a une anomalie, par exemple une issue de secours mal fermée ou quelque chose qui ne devrait pas être en place, et ben, il y a un bouton qui s'active et toi, tu dois aller voir sur place pour voir si tout se passe bien. Okay? Donc ça, c'est important. Et là, j'ai vulgarisé hein, parce que j'ai jamais réellement bossé avec un SSI. Mais bosser avec un SSI, c'est beaucoup plus emmerdant que bosser sans SSI. En général, ceux qui bossent sans SSI, c'est les petits tafs tranquilles où tu es dans un local et tu dors beaucoup. Ça, c'est bien. Et quand je dis que tu dors beaucoup, faut pas le prendre mal. D'accord? Je sais que certaines personnes aiment bien aller au travail, rien faire, dormir ou faire autre chose dans leur travail. Travailler avec leur téléphone, faire autre chose, mais tu es payé pour ça. Je sais que certaines personnes comme moi n'ont pas du mal avec ça. D'autres personnes ils ont du mal avec ça parce qu'ils aiment bien bouger, faire des choses et tout. Mais SIAP, c'est un métier tranquille. Ou si tu aimes bien rien faire, en général, eh ben, tu vas aimer. Cela dit, tout dépend des secteurs, tout dépend de là où tu es affecté. Mais dans la grande généralité, eh ben, tu es bien. Maintenant, on va parler des avantages du SIAP. Ben, les avantages du SIAP, c'est que contrairement à l'agent de sécurité simple, eh ben, tu es habillé différemment. Tu es habillé en rouge. Tu es habillé en rouge avec une petite bande noire, un pantalon de pompier et tout. Et quand on te voit, on te prend pour un pompier. Tu vois, pour ceux qui connaissent pas la sécurité et tout, quand ils te voient, eh ben, tu es un pompier. Parce que tu es habillé comme un pompier, enfin presque comme un pompier. Et du coup, ça c'est bien. Tu es un tout petit peu mieux payé que les agents de sécurité. Normalement, ça va de 80 à 100 balles de plus, donc ça c'est non négligeable. Mais au niveau des heures de travail et tout, bah, c'est comme les agents de sécurité, c'est soit travailler en 8 heures ou moins, ou en 10 ou 12 heures. 12 heures, je rappelle, c'est très très bien, parce que quand tu taffes en 12 heures, en général, tu fais 3 ou 4 vacations dans la semaine. Une vacation, c'est un jour de travail, et après, c'est du repos. Ça veut dire que si tu es bien organisé, et eh ben, tu auras beaucoup de fois des 3 jours, 4 jours, voire 5 jours de repos d'affilée, tu vois. Et ça, c'est bien. Ça, c'est en fait, c'est des métiers où quand tu as bossé, ben, tu vas être là longtemps, mais quand tu as trop reposé, et eh ben, les gens ils vont penser que tu travailles pas parce que tu auras beaucoup de repos pour une paye normale, voire une paye, on va dire, entre 1800 ou 1900 ou 2000 si tu fais des heures supplémentaires. Et tous les prix que j'ai, je parle en net, bien évidemment. Avant de passer aux inconvénients, parce que le métier l'a changé et c'est plus la même chose, je vais te parler de mon expérience. Moi, mon meilleur taf en sécu, plus tranquille, et ben c'était en SIAP. Je t'en ai parlé, il me semble, dans les story time,
agent de sécurité en bureau, j'étais en SIAP et j'étais chez Amazon, dans les bureaux d'Amazon. Alors, je travaillais avec un prestataire pour Amazon, mais j'étais trop bien, les gars. J'étais trop bien. On était là, on était assis sur des. Enfin, on était assis devant l'entrée du bureau. Déjà, c'était un building. On était à l'étage 36 ou 37, je sais pas. On était super haut. Et quand un personnel allait au travail, on était là. Soit on lui faisait un badge, soit on lui disait bonjour. Et c'est tout. On faisait quelques rondes de surveillance. Et c'était tranquille. C'était tranquille, il n'avait rien à faire. Parce qu'en fait, si tu veux, c'était une tour où à chaque étage, il y avait une entreprise. Et nous, on était dans un étage. C'est tout. Sachant qu'il y a des âges, il y avait d'autres agents de sécurité de la tour même qui, eux, vérifiaient tous les équipements incendies de chaque étage. Tu vois? Nous, on gérait seulement notre étage, mais on ne le faisait pas réellement parce qu'il y avait déjà les agents de sécurité de la tour qui le faisaient. Nous, on était juste là, habillés en SIAP, mais on donnait juste une présence sécuritaire aux employés d'Amazon, et ça c'était bien, sachant que les employés d'Amazon, eh ben, c'est pas les employés que tu vois qui trient les colis et tout, non, c'était les gens de bureau. En fait, c'est les employés que eux ils étaient vraiment bien, ils avaient aucun problème dans leur vie, et je pense que ils auront plus jamais de problème dans leur vie, tu vois. Ils étaient bien, ils étaient agréables, très peu de Français, beaucoup d'étrangers, beaucoup de personnes bilingues, trilingues, incroyables, et une mentalité qui est très ouvert, très accueillante, très différente des autres. D'ailleurs, moi, les gens, ils ont un peu le seum contre moi parce que, comme je disais bonjour, j'étais très accueillant et très sociable, et ben tous les matins, on m'achetait des croissants, des pains au chocolat, les midis des pizzas. Sachant qu'il y avait beaucoup de plateaux repas, on me donnait beaucoup de choses. Ça plaisait pas aux autres agents de sécu parce qu'ils disaient pas bonjour à tout le monde comme moi. Moi, j'essayais, tu vois. Et du coup, ben voilà, j'étais un peu le chouchou d'Amazon, ça c'était bien. Ça, pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue en SIAP. Sachant que j'ai été payé entre 1900 et 2000 euros, j'ai fait 3 mois parce que je voulais partir en vacances. Et du coup, ben, j'ai travaillé juste pour partir en vacances. Et je faisais des heures supplémentaires. Je travaillais en 12 heures en général. Donc, je sais qu'au début j'avais 3 vacations par semaine, après j'en ai demandé 2 autres supplémentaires. Ça c'est bien parce qu'en sécurité, en SIAP, tu peux demander des vacations supplémentaires et généralement on te les donne parce qu'ils ont besoin. Du coup, ben, je touchais les 2000 par mois net et j'étais tranquille et ça m'a fait du bien. Le métier a changé en tant que SIAP et il faut qu'on en parle parce que c'est là où tous les inconvénients vont venir. Parce que avant un SIAP, pour moi, c'était un agent propre. C'était un agent où il ressemble à un pompier, où c'était un pompier pour toi. Si tu connais pas la sécu, t'as jamais vu des agents de sécu et tout, en SIAP, pour toi, c'était un pompier. Ils étaient propres. Tu vois? Maintenant, ça a changé. Je sais pas si c'est l'immigration ou alors des personnes qui enchaînent beaucoup, beaucoup les heures de travail, qui font plus attention à leur tenue et à eux, mais ça s'est dégradé. Les agents SIAP, maintenant, tu peux en voir avec des hauts déchirés, tu peux en voir avec le S de sécurité qui sort, tu peux en voir, ils sont même pas en tenue. Et ça, c'est dommage. Et ça, c'est parce que de plus en plus de magasins et de plus en plus d'organismes demandent des agents de sécurité qui ont le SIAP. Tu vois? Donc, c'est des agents de sécurité déguisés en SIAP. Ça, eh ben, ça a fait un trou dans la stratosphère et ça a tout tué. Parce que tous ceux qui faisaient de la sécurité de base, les arrière-caisses en magasin, tous les gens issus de l'immigration qui ont fait de la sécurité, qui en font, eh ben, ont passé le SIAP et ça s'est mélangé à ce métier-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un SIAP, en région parisienne, banlieue, c'est dur, c'est mal vu maintenant. Parce que les gens, en fait, les gens qui ont négligé la sécurité, leur tenue et tout, ils ont fait pareil pour le SIAP.
Et ça a tout tué. Tu vois, ça a tout tué. Je parle des gens de l'immigration, mais je parle aussi des gens qui font beaucoup d'heures supplémentaires, qui dorment pas, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps de prendre soin d'eux. Parce que, en fait, en sécu, enfin, c'est vrai, j'ai connu les plus gros bosseurs de ma vie. Il y a des gens, si tu veux, ils travaillent le jour et la nuit, ils travaillent aussi. Ils dorment sur des sites. Parce qu'en fait, il y a des travails de jour ou de nuit. Et les travails de nuit, en général, t'es dans un local, tu dors, et si on t'appelle, bah, tu dois être là pour intervenir. En général, c'est ça. Et il y a plein de personnes qui font ça. Le jour, ils travaillent, la nuit, ils dorment sur un site. Et il y en a, ils enchaînent ça pendant très longtemps, ils rentrent peu chez eux, et malheureusement, au niveau de tenue de travail, bah, tu sens de la négligence. Enfin, tu sens et tu la vois. Tu vois, et ça, c'est très compliqué. Là où il y a des problèmes, c'est que les agents de sécu déguisés en SIAP, pour la plupart, ils sont payés en agent de sécu et pas payés en SIAP. Et je sais que certaines boîtes de sécurité vont facturer à l'entreprise qui demande des agents de sécurité en SIAP, mais ils vont les payer en sécu. Tu vois? Ça veut dire que eux, ils vont avoir un pourcentage en plus qu'ils vont pas payer aux agents. Et ça arrange tout le monde, tu vois, malheureusement. Les boîtes de sécurité, ça va les arranger. Et ça va arranger les personnes qui veulent travailler quoi qu'il arrive, même si ils savent qu'ils sont pas payés en SIAP, ils veulent travailler, donc ils vont prendre. Et ça, bah pour les vrais SIAP, pour les personnes qui veulent faire des trucs en SIAP, malheureusement, et bah ça va être dur. Parce que maintenant, bosser en SIAP et être payé en SIAP, c'est dur. En banlieue parisienne, c'est dur, vraiment. Le plus dur, c'est travailler en SIAP et faire des missions de SIAP. Parce que maintenant, j'ai envie de te dire, c'est quasiment impossible, mis à part dans les grandes gares sur Paris et peut-être dans la France, de faire que des missions de SIAP. Parce que maintenant, les SIAP, on les a habitués à être des agents de sécu. Tu vois? Alors que de base, c'est pas des agents de sécu. De base, c'est des agents de sécurité incendie et pas juste sécurité. Les SIAP ils doivent pas frapper les personnes et les mettre dehors. Il y en a qui ont fait ça plein de fois. La pilule est passée. Maintenant, le SIAP est polyvalent. Le SIAP c'est un agent de sécurité qui a des missions en plus. Tu vois, ça c'est pas bon. Et tu peux voir l'enseigne Auchan, si je me trompe pas, qui a ses propres agents de sécurité. Eux ne demandent que des SIAP, agents de sécu incendie, pour faire des missions d'agents de sécu, qui sont là, qui sont debout en arrière-caisse, qui mettent des serre-flex sur tes sacs et tout. De base, un SIAP ne fait pas ça. Un SIAP n'a pas à faire ça. Un SIAP n'est pas là pour dissuader du vol. Un SIAP, il est là au cas où s'il y a un malaise, s'il y a un incendie, un début, c'est le premier facteur de sécurité incendie. C'est pas un mec qui va courir derrière toi et qui va te surveiller ton sac. C'est pas ça un SIAP, malheureusement. Trop de personnes ont accepté ça et maintenant le SIAP il a changé. Cela dit, il reste des très très bons postes en SIAP et des très bonnes planques et métiers en SIAP. Faut juste avoir la chance pour trouver ces postes-là et à quelques moyens faciles de rentrer dedans et d'avoir ça. Premier moyen, faut être présentable. Faut être présentable. Déjà, faut être bien habillé, faut sentir bon à l'entretien. Tu sais, quand je dis ça, ça peut te faire rire, hein, mais ça va très vite. En sécu, en général, j'ai déjà vu, en fait, je suis déjà venu à un entretien, j'ai vu un mec, chaussures déchirées, veste, sécurité, il n'y avait pas le S et le E. Il a toqué, il a dit, je cherche du travail. Le mec, il a vu, il a dit, ouais, j'ai ça pour toi, tiens, tu commences demain. Tu vois? En fait, c'est pas comme les autres tafs. C'est un taf où tu viens. Sans CV, tu peux avoir du travail, tu vois. Si tu as les diplômes requis, c'est bon. Si tu es bien, tu es propre, tu parles bien français, tu n'as pas d'accent. Et ça, c'est un peu dur, hein, mais c'est comme ça, malheureusement. Je suis là pour dire la vérité. Si tu n'as pas d'accent, si c'est propre, ce que tu dis, on comprend, tu sais écrire, tu auras un bon poste, tu auras un bon taf, tu seras bien payé ou tu seras payé à la hauteur de ce que tu dois être payé, voire même un peu plus. Parce que s'il y a des sites où c'est un peu sensible ou des sites où il faut avoir une bonne image, tu vois, on va te mettre dessus. Et il y a même des sites
Quand j'y décide, c'est par exemple des magasins ou des entreprises comme Amazon ou des gares SNCF et tout. Ok? Il y a même des sites où parfois le recruteur, le demandeur d'argent, il dit, je veux des personnes qui sont bonnes, je veux des personnes présentables. Je veux éviter ce type de personnes-là. Tu vois? Donc là, il va te ramener des personnes. Enfin, là, la boîte de sécu va faire en sorte d'amener des personnes à l'image du site. Et si tu corresponds à ce profil-là, eh ben, tu seras bien payé. Tu auras des bonnes primes et tu seras respecté. Cela dit, si tu es un ancien pompier, tu auras les meilleurs postes en SIAP. Plus tranquille, où vraiment tu feras des vraies missions de SIAP et très bien payé. Il y a des SIAP aujourd'hui, des SIAP 1, qui touchent dans les 3000 euros par mois et un peu plus sur des sites très sensibles. Et ça, voilà, faut vraiment avoir la chance, faut avoir le profil. C'est un ancien pompier, c'est bon, d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Mais il y a le SIAP 1, le SIAP 2 et le SIAP 3. SIAP 1, c'est l'agent de sécurité incendie simple. SIAP 2, ça va être le chef de poste. En général, c'est lui qui sera derrière le SSI s'il y en a un. Et le SIAP 3, ben, c'est comme un cadre, si tu veux. C'est un grand chef d'équipe. Mais il fait plusieurs choses aussi. Le SIAP 3, c'est une formation qui va être un peu plus longue. Le SIAP 2, il faut justifier un an de SIAP 1. Et SIAP 1, ben, tu passes ta formation 2 semaines, il me semble, si je me trompe pas. Ouais. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça. Il y a plein de postes en SIAP 1 où ils vont te demander d'avoir le SIAP 2. S'ils te demandent ça, c'est que le site il est bien. C'est que la paye elle est bien et suit. C'est que le chef de site il va se dire, si lui il a passé un SIAP 2, c'est que il parle bien français, il s'exprime bien et ça va donner une bonne image pour le site et pour la boîte. Tiens, regarde, on a des SIAP 2 ici, tu vois. Donc, c'est bien de le passer le SIAP 2. Moi, c'est pas un truc que je vais passer, mais si tu peux passer ton SIAP 2 après avoir fait un an de SIAP 1, je t'invite grandement à le passer. Donc voilà, c'était tout sur l'agent de SIAP, l'agent de sécurité incendie. Si je devrais conseiller de passer ce diplôme-là avec agent de sécu, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de travailler en SIAP sans avoir le diplôme d'agent de sécurité simple, parce que maintenant, on va tous te demander le diplôme d'agent de sécurité et celui de SIAP, mis à part c'est un ancien pompier, malheureusement. Et puis voilà, c'est un diplôme à passer. C'est très rapide, c'est facile à l'avoir. Tu as une formation rapide, tu as un QCM. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont 2 fois, il y en a qui l'ont du premier coup. C'est simple, tu le passes vite, comme ça tu es tranquille. Et tu peux prétendre avoir des bons postes si tu corresponds à l'image de la boîte et de l'entreprise auquel tu as bossé. Ok? En tout cas, si tu kiffes sur des vidéos, mets un message, mets un commentaire. Moi, je kiffe faire ces vidéos sur la sécu. Parce que la sécu, ça m'a sauvé la vie. Clairement, ça m'a sauvé la vie. Et même là, ça me sauve. Et c'est mon plan B à chaque fois. Quand j'ai besoin d'un truc et tout, la sécu, ben, c'est là. Tu vois? Et puis, voilà. Moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.